L'impulsion dépend de la vitesse et de la force. Elle peut vous aider ou vous nuire. Quelquefois, les événements se produisent de façon inattendue et l'impulsion n'est plus maîtrisable. Plus l'objet est lourd, plus il gagne de la force quand sa vitesse augmente. Quand il est mal maîtrisé, l'objet devient un danger en mouvement. Des gens se blessent ou se tuent et des vies sont transformées à jamais. Un des objets susceptibles de causer la mort est un chariot élévateur. Vous conduisez une machine pesant des centaines de kilos qui peut en transporter des tonnes de plus. Même en la conduisant lentement, elle acquiert une incroyable force en se déplaçant. Un seul faux mouvement et la charge peut tomber d'un côté et votre véhicule de l'autre. Si le véhicule et la charge sont déstabilisés et que quelqu'un se trouve sur votre chemin, c'est comme tuer une mouche avec une massue. Les conducteurs de chariots élévateurs à fourche doivent être aussi alertes que les conducteurs d'autres genres de véhicules. Le problème, c'est que lorsqu'on fait quelque chose tous les jours, on s'habitue et on ne craint plus le danger. Toutes les journées et toutes les charges en viennent à se ressembler. Si l'on conduit assez longtemps sans avoir d'accident, on commence à croire que ça n'arrive qu'aux autres. Mais c'est faux. Tous les jours, des gens sont blessés, même mortellement, dans des accidents de chariots élévateurs à fourche. Certains conducteurs ne sont pas bien formés. Certains oublient ce qu'ils savent. Et d'autres négligent de demeurer alertes en tout temps. Cette émission de formation est conçue pour vous faire reprendre conscience de la grande responsabilité que vous acceptez lorsque vous recevez l'accréditation pour conduire un chariot élévateur. Nous expliquerons comment manœuvrer un chariot élévateur dans des situations dangereuses, par exemple comment éviter les surfaces glissantes et manœuvrer dans les zones encombrées, comment contourner les piétons et transporter une charge de forme irrégulière. Nous parlerons aussi de la conduite en zones potentiellement dangereuses, comme les quais de chargement, les rampes et les remorques intérieures. Premièrement, les surfaces glissantes. Les chemins et les planchers deviennent glissants pour une quantité de raisons. La pluie, les agents lubrifiants, même les dépôts accumulés de cire peuvent faire glisser un chariot élévateur. Souvenez-vous que les chariots élévateurs à fourche sont conçus pour transporter des charges. Ils n'ont ni les caractéristiques mécaniques ni la traction pour s'immobiliser rapidement, particulièrement sur les surfaces glissantes. Si vous voyez une surface glissante, évitez-la dans la mesure du possible. Si vous ne pouvez la contourner, arrêtez-vous et répandez du sable sec ou de l'argile absorbante. Puis traversez la zone lentement et avec précaution. Rapportez l'incident à votre superviseur dès que possible afin d'éviter ce danger de dérapage aux autres. Même les structures élevées peuvent représenter un danger. Connaissez la taille de votre cabine et limitez votre charge à cette hauteur. Assurez-vous que les portes et les plafonds sont assez hauts pour vous et votre charge. Prévoyez assez d'espace pour bien manœuvrer votre véhicule et gardez votre charge le plus près du sol possible. Perdre sa charge n'est pas seulement un manque de professionnalisme, c'est carrément dangereux. Il peut arriver que vous ayez à travailler dans des zones encombrées et des allées étroites. Savoir quoi faire en de tels cas est la façon professionnelle de fonctionner. Faire une inspection en marchant du chemin que vous aurez à emprunter peut vous éviter de conduire sur des débris ou dans des cavités. Ramassez ce qui traîne lorsque c'est possible et n'essayez pas de mettre des piles hors de votre chemin avec le chariot élévateur. Une collision ou un arrêt soudain pourrait endommager votre charge. Les piétons constituent un autre danger. Tout comme sur la route, les piétons ont toujours le droit de passage. Ils ne font peut-être pas attention à vous, alors vous devez faire attention à eux. Les piétons peuvent ne pas comprendre qu'un chariot élévateur ne s'immobilise pas rapidement. Alors assurez-vous qu'ils ne sont pas sur votre chemin. Demandez aux gens de demeurer à distance lorsque vous prenez ou déposez votre charge. Des collègues sont blessés ou tués chaque année
lorsqu'un chariot élévateur dérape sur une surface glissante, lorsqu'une charge se renverse ou lorsque le conducteur ne fait pas attention aux gens autour de lui et les heurte. Consultez les IPO de votre entreprise, les instructions permanentes d'opération, au sujet des règles sur le travail autour d'autres conducteurs ou de piétons. On pourrait vous demander de vous adjoindre un éclaireur ou un guide qui marcherait devant vous pour s'assurer que la voie est libre. Même si le guide n'était pas requis, avertissez les piétons et les autres chauffeurs au tournant sans visibilité, aux entrées et dans les allées en klaxonnant avant d'entrer dans chaque section. Utilisez les miroirs convexes lorsqu'ils sont présents. Faites de larges virages et conduisez lentement. Si vous travaillez dans une zone où se trouvent d'autres camions industriels ou d'autres véhicules, suivez les règles de circulation appropriées et observez les indications. Ces règles et ces indications sont garants de votre sécurité. Si vous ne les respectez pas, vous augmentez vos chances d'avoir un accident. Voici quelques règles routières de base. Maintenez une bonne distance des autres chariots élévateurs à fourche, environ 3 longueurs de camion. Lorsque les véhicules ne maintiennent pas cette distance, il y a risque d'accident. Restez derrière. Ne suivez pas de trop près un autre chariot à fourche. Cela pourrait provoquer un choc par l'arrière. Évitez de dépasser un chariot à fourche en mouvement. Vous ne pouvez pas toujours anticiper les réactions d'un autre conducteur. Regardez derrière vos deux épaules avant de faire marche arrière et klaxonnez si votre véhicule n'est pas muni d'un signal sonore pour la marche arrière. Peu importe la direction que vous prenez, gardez la tête et les yeux dans la direction où vous allez. Souvenez-vous, votre chariot élévateur n'est pas une voiture ou un ascenseur. Seules les plateformes approuvées et adéquatement installées peuvent servir à faire monter des gens. Même si vous disposez d'une plateforme ou d'un panier approuvé, ne permettez pas aux employés d'y prendre place lorsque le chariot à fourche est en mouvement. Abaissez la personne jusqu'au prochain emplacement et remontez-la. Toute personne qui utilise votre plateforme doit être attachée. La seule personne autorisée à monter à bord d'un chariot à fourche est un conducteur accrédité. Ne permettez jamais aux employés de monter à bord de votre chariot sur une palette vide, sur la charge ou toute autre partie du chariot à fourche. Les fourches peuvent être glissantes. Les palettes peuvent se déplacer. La charge peut se déstabiliser. Le passager pourrait être éjecté à l'approche d'un mur ou d'une porte. Que faire si la charge est déséquilibrée? Premièrement, essayez de la rendre plus stable. Si ce n'est pas possible, placez le point le plus lourd, le plus bas possible et le plus près possible de l'avant de votre chariot. Se déplacer avec une charge de forme irrégulière au mauvais endroit constitue un risque de renversement. Vous pourriez avoir à travailler dans une zone comportant des bosses de ralentissement ou une voie ferrée. Soyez vigilant en les traversant. Ne les prenez pas de front, mais lentement, avec un angle de 45 degrés. De cette façon, les roues ne monteront pas sur la bosse en même temps et vous éviterez de coincer la fourche au sol ou sur les rails. Cela réduit également le risque de glisser et de perdre une charge. Lorsque les deux roues motrices quittent le sol, vous pourriez perdre la maîtrise du véhicule. Tout conducteur de chariot élévateur expérimenté sait que l'on fait face à de nombreux imprévus en conduisant. Les cavités, le sable, le gravier, les agents lubrifiants, les planchers mouillés, les débris exigent une attention particulière. Les conducteurs de chariots élévateurs doivent se méfier des quais de chargement, des remorques et des rampes qui peuvent être particulièrement dangereux. Avant de monter sur une remorque ou un wagon, assurez-vous qu'il ne roulera pas pendant que vous y travaillez. Si la remorque est attachée au tracteur, assurez-vous que les freins du tracteur et de la remorque sont appliqués et que les roues du tracteur et de la remorque sont bloquées. Utilisez un système d'amarrage à quai pour retenir la remorque au quai. Avant de monter sur une remorque qui n'est pas attachée au tracteur, assurez-vous qu'elle est soutenue par des trépieds. Même une charge stable peut provoquer la chute de la remorque si celle-ci n'est pas fixée au tracteur. En plus de voir à ce que la remorque ne se renverse pas, assurez-vous qu'elle supportera votre chariot et sa charge. Vérifiez que le plancher est solidement ancré, qu'il n'est pas mou ou couvert de débris pouvant masquer quelques défauts. Vérifiez le poids maximal que peut supporter la remorque. Si la remorque n'est pas conçue pour soutenir le poids du chariot chargé ou si le plancher présente des risques, avisez votre superviseur. Vérifiez la hauteur de l'entrée de la remorque. Lorsque vous vous déplacez sur le pont de liaison, faites en sorte que la hauteur additionnelle imposée par la bosse ne fasse se heurter le mât élévateur ou la charge contre la remorque.
Les remorques à plateau doivent avoir des barrières de sécurité comme guide pour empêcher le chariot à fourche de tomber sur le côté. Si vous utilisez un pont ou une plaque pour relier le quai à la remorque, vérifiez toujours si le pont ou la plaque sur laquelle vous passerez sont solides et conçus pour supporter le poids de votre chariot à fourche et sa charge. L'angle du pont ou de la plaque devrait être aussi faible que possible. Une pente trop grande pourrait provoquer la chute du chariot et de sa charge. Conduisez lentement sur les ponts ou les plaques et gardez une bonne distance de part et d'autre. Évitez d'accélérer rapidement sur le pont de liaison. Des mouvements rapides pourraient faire glisser les roues hors de la rampe ou faire dévier le chariot vers le bord du pont et le faire glisser. La plaque doit être exempte d'huile, de glace, de neige ou de débris. Soyez particulièrement vigilant lorsque vous conduisez sur une rampe. Au bas de la rampe, élevez la charge légèrement pour éviter de heurter ou d'égratigner la surface de la rampe. Une fois le chariot anti-incliné, vous pouvez conduire avec la fourche en mode déplacement. Lorsque vous descendez la rampe avec une charge, faites-le en marche arrière et regardez dans la même direction. Si vous ne transportez aucune charge, déplacez-vous en marche arrière pour monter la rampe et avancer pour en redescendre. Ne tournez jamais sur une rampe, car le poids du chariot pourrait causer un renversement. Il ne devrait jamais y avoir plus d'un chariot à la fois sur une rampe. Un responsable de la signalisation placé là où vous chargez devrait vous observer, ainsi que tout autre véhicule en mouvement, afin de vous aider à reculer sur une rampe ou sur une pente. Comme pour les autres piétons, gardez le responsable bien en vue et ne le heurtez pas. Plus de 100 accidents mortels de chariots élévateurs à fourche surviennent chaque année. Environ la moitié de ces morts sont le résultat d'un renversement latéral ou longitudinal. Les renversements latéraux se produisent lorsqu'un chariot à fourche roule sur le côté. La vitesse excessive lors d'un virage, une charge placée trop haute ou le fait de conduire sur des débris sont des causes courantes de renversement latéral. Si vous vous trouvez dans un chariot à fourche lors d'un renversement latéral, essayez de rester dans le chariot. Lorsque le chariot se renverse, demeurez à l'intérieur de la cabine en tenant solidement le volant et en vous poussant vers l'arrière du siège. Le mât élévateur empêchera le chariot de rouler complètement sur le côté. Mais il vaut mieux éviter un renversement latéral que d'apprendre quoi faire s'il survient. Un renversement longitudinal se produit lorsqu'un chariot tombe entre un quai et une remorque. Il peut survenir lorsque les roues arrière du chariot à fourche s'accrochent dans le bord de la plaque. Les roues motrices de chariot peuvent alors pousser la remorque en direction opposée du quai, ce qui crée une ouverture entre le quai et la remorque. Voici pourquoi il est essentiel de s'assurer que la plaque de chargement ou le pont soit bien en place, que la remorque ou le camion ait les roues bloquées et que toutes les mesures de sécurité soient appliquées. Si un camion est surchargé ou que sa charge sort du triangle de stabilité, un renversement longitudinal peut survenir. Puisque la plupart des chariots élévateurs à conducteurs portés sont munis de sangles, attachez votre ceinture. Si vous subissez un renversement longitudinal, demeurez dans le véhicule. Comme pour le renversement latéral, gardez vos mains sur le volant et avec les pieds au plancher, poussez-vous vers l'arrière du siège.